je choisis les héros en fonction, disons, de leur importance, parce que tous ne permettent pas de raconter une histoire longue. Les principaux héros sont, de la mythologie sont un peu toujours les mêmes, Thésée, Orphée, Oedipe, Persée. Et on peut raconter une histoire copieuse, disons, avec ces héros-là. Reste les Argonautes, peut-être. Mais là, tous les héros sont un peu rassemblés. Là, bon, c'est un héros. Ça constitue une collection cohérente, après. Beaucoup de petits lecteurs se plaignent que... Enfin, se plaignent pas vraiment. Mais je pense que... Il était quand même un peu temps de raconter une fin heureuse parce que les autres sont plutôt catastrophiques. Mais ça, c'est, disons que c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Les contes de fées comportent des parties dangereuses qui font très peur, mais à la fin, tout s'arrange. Parce que dans la mythologie, c'est pareil, c'est formateur, tout comme les contes de fées. Mais alors que les contes de fées disent « mon petit gars, ma petite fille, tu traverseras des épreuves, mais tu t'en sortiras », les contes mythologiques disent « tu t'en sortiras pas forcément ». Mes sources, c'est difficile de parler de... C'est difficile de dire pourquoi et comment je fais les choses, parce que tout ça est très relève du ressenti, de l'instinctif, du sensible. Donc après... Quand je commence à expliquer et à m'exprimer, j'ai l'impression de dire d'une façon très laborieuse ce que j'ai essayé de rendre plutôt limpide dans le livre. Je crois que c'est le cas de tout le monde, en fait. Quand on travaille à deux, ça dépend des fois. Par exemple, pour les livres, disons, historiques, que sont La Commune et surtout Nous, notre histoire, j'ai travaillé avec mon gendre. Qui a une formation d'historien solide. Voilà. Donc c'est bien. Et dans les livres aussi intervient mon épouse qui fait la couleur. Donc c'est assez pratique puisque comme j'étais pas bon en couleur, j'ai épousé une coloriste et quand j'ai eu envie de faire des livres historiques, j'ai eu un gendre qui pouvait m'aider en histoire. C'est le parti pris de raconter l'histoire des peuples de façon comparative et chronologique, en finir avec les hommes providentiels, dont moi, quand j'allais en classe, j'avais l'impression que l'histoire a été faite par eux. Et pourtant, pendant tous ces millénaires, il y avait des hommes et des femmes qui vivaient, bon sang. Et j'avais l'impression de n'apprendre que l'histoire des rois ou des généraux principaux. Alors avec mon gendre, donc, Christophe, il a Sommer, on s'est attaché à raconter l'histoire des peuples en s'appuyant sur des historiens d'aujourd'hui qui sont les tenants de ce qu'on appelle l'histoire globale. Et surtout un qui s'appelle Jared Diamond. Je pense immédiatement aux héros auxquels je me suis identifié le plus. Et les héros auxquels je me suis le plus identifié, c'est le Pipe des Grandes Espérances de Dickens et le pauvre Blaise de la Comtesse de Ségur. Et ce n'étaient pas des vainqueurs. Et alors donc, je n'ai pas tellement envie de m'identifier à un vainqueur, donc j'en resterai là, au Pipe des Grandes Espérances et au pauvre Blaise de la Comtesse de Ségur.